Bienvenue donc dans notre méditation de Yoga Nidra d'aujourd'hui. Que ça soit une initiation au Yoga Nidra ou qu'on ait l'habitude de pratiquer cette méditation, en tous les cas, on va tirer beaucoup de bénéfices de ce moment de qualité pour nous-mêmes. Commencer en étant complètement allongé sur le dos, les yeux fermés, les paumes de main tournées vers le ciel. N'hésitez pas à bouger très légèrement pour trouver vraiment la bonne posture pour vous aujourd'hui. On cherchera ensuite à ne plus bouger tout le long de la méditation. On va commencer ici, tout simplement, par ressentir l'air qui rentre par le nez, qui traverse tout le corps, qui nourrit en énergie chacune de nos cellules. Et l'air qui ressort par le nez. Ressentez l'air qui rentre par le nez et l'air qui ressort par le nez. Venez vous répéter plusieurs fois mentalement. Je vais rester réveillé tout au long de cette séance de Yoga Nidra. Je vais rester éveillé tout au long de cette séance de Yoga Nidra. Et si à un moment vous sentez que le cerveau part, que vous sombrez dans le sommeil, vous êtes libre de faire le choix de revenir, de ramener vos sensations à la surface, ou alors de vous laisser tomber dans le sommeil, et dans tous les cas, l'inconscient tirera tous les bénéfices de cette séance. À chaque inspiration, répétez-vous mentalement « Je suis relâché ». À chaque expiration, répétez-vous mentalement « Je suis détendu ». À chaque inspiration, je suis relâché. À chaque expiration, je suis détendu. Prenez la ferme intention de ne pas vous endormir à travers la séance d'aujourd'hui et de ne pas bouger tout au long de la pratique. Puis venez placer une intention qu'on appelle Sankalpa au yoga, tout simplement la raison pour laquelle vous pratiquez aujourd'hui. Dédiez votre pratique à une intention. Ça peut être pour un projet personnel, professionnel. Ça peut être simplement pour chercher un état de calme. Ça peut être dédier la pratique à quelqu'un. Et une fois que vous avez trouvé votre sankalpa, répétez-vous 3 fois mentalement votre intention.
Puis on va pouvoir commencer ici avec ce qu'on appelle une rotation de la conscience, ce qui va nous permettre de détendre et de relâcher tout le corps. Ce qui va nous permettre de détendre et de relâcher tout le corps. Je vais énoncer les différentes parties de votre corps, les unes après les autres. Et je vous invite à amener toute votre attention, toute votre concentration dans les différents points du corps que je vais évoquer au fur et à mesure. Vous pourrez soit juste amener pleinement votre attention sur les endroits du corps que j'évoque, soit répéter mentalement après moi le nom des différentes parties du corps que j'évoque, sans bouger les lèvres, juste une répétition mentale. Apportez toute votre attention sur le pouce de la main droite, puis le deuxième doigt, le troisième, le quatrième et le cinquième. Apportez toute votre attention sur la paume de la main droite et le dos de la main droite. Relâchez le poignet droit, l'avant-bras droit, le coude droit. Puis relâchez le biceps droit, le triceps droit. Relâchez l'épaule droite. Puis l'aisselle droite. Relâchez les côtes de la main droite, du bras droit, pardon. Côté droit. Relâchez la hanche droite. Relâchez l'avant de la cuisse droite. L'arrière de la cuisse droite. Relâchez l'avant du genou droit. L'arrière du genou droit. Relâchez le tibia droit, puis relâchez le mollet droit. Relâchez la cheville droite, puis le pouce du pied droit, le deuxième doigt. Le troisième, le quatrième et le cinquième. Relâchez l'avant du pied, l'arrière du pied. Tout le côté droit complètement relâché. Tout le côté droit complètement détendu. Et si des pensées arrivent, ramenez votre attention sur votre souffle, ramenez votre attention sur vos sensations physiques. Puis on va venir amener toute notre attention sur le côté gauche. On va relâcher le pouce de la main gauche,
Le deuxième doigt. Le troisième. Le quatrième. Et le cinquième. Relâchez l'avant de la main. L'arrière de la main. Le poignet gauche. L'avant du bras. Et le coude gauche. Relâchez le biceps gauche. Le triceps gauche. Puis relâchez l'épaule gauche. L'aisselle gauche. Les côtes du côté gauche. Relâchez la hanche gauche. Relâchez l'avant de la cuisse gauche. L'arrière de la cuisse gauche. Relâchez l'avant du genou gauche. L'arrière du genou gauche. Puis relâchez le tibia gauche, le mollet gauche. Relâchez le pouce du pied gauche, le deuxième doigt, le troisième, le quatrième et le cinquième. Relâchez l'avant du pied, l'arrière du pied et le talon. Tout le côté gauche est maintenant complètement relâché. Tout le côté gauche est maintenant complètement détendu. Venez relâcher le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Complètement relâché, complètement détendu. Venez relâcher complètement l'avant de l'épaule gauche, l'avant de l'épaule droite, l'extérieur de l'épaule gauche, l'extérieur de l'épaule droite, puis l'arrière de l'épaule gauche et l'arrière de l'épaule droite. Venez observer vos points d'appui avec le sol. Les talons en contact avec le sol. Peu importe la surface. Les mollets en contact avec le sol. L'arrière des cuisses.
les fessiers. Et certains points de votre dos. Observez certains points de votre dos en contact avec le sol, certains points de votre dos qui ne sont pas en contact avec le sol. Observez les points de contact entre votre bras et le sol, votre bras gauche et le sol, votre bras droit et le sol. Puis apportez toute votre attention au niveau de votre visage et venez relâcher tous les traits du visage. Puis venez relâcher l'œil droit. Venez relâcher l'œil gauche. La narine droite. La narine gauche. Relâchez la joue droite, la joue gauche. Puis relâchez la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. La mâchoire. La langue, le palais, peut-être même que la bouche s'entrouve très légèrement. Et on va maintenant allez amener un travail autour de nos différents sens. Pour cela, commencez tout simplement par amener toute votre attention sur ce que vous pouvez entendre. Allez chercher le bruit le plus lointain possible. Peut-être entre hors de votre pièce, peut-être même en dehors de chez vous. Cherchez le bruit le plus lointain possible. Puis rapprochez votre attention pour venir chercher le bruit le plus proche possible. Observez sans jugement, juste observez. Puis amenez maintenant toute votre attention sur ce que vous pouvez sentir et venez chercher l'odeur la plus lointaine possible. Venez chercher l'odeur la plus lointaine possible. Et venez désormais
Chercher l'odeur la plus proche possible. Venez chercher l'odeur la plus proche possible. Puis désormais, apportez toute votre attention sur ce que vous voyez, toujours en gardant les yeux fermés. Observez comme un tableau noir, neutre, comme les tableaux qu'on avait autrefois à l'école. Et observez comme ce tableau noir amène un calme, une sérénité, une neutralité. C'est ni bien ni mal. C'est juste là. Ça nous permet d'être juste dans le moment présent. Observez ce tableau noir neutre. Et apportez maintenant votre attention sur vos sensations physiques. Ressentez peut-être le contact des vêtements sur la peau. Peut-être un léger contact de l'air sur la peau. Puis apportez maintenant votre attention au niveau de votre bouche, de votre palais, de votre mâchoire qu'on avait déjà détendue. Et observez votre langue, votre palais, votre salive, peut-être même laissez-vous déglutir librement. Observez les sensations dans votre bouche. Puis revenez vous connecter de nouveau à tout votre corps, ici et maintenant. Essayez de sentir une petite boule jaune de lumière, une petite boule de la couleur et de la force du soleil qui se situe en dessous du nombril. Et visualisez cette petite boule lumineuse, forte et puissante, chaude, qui va progressivement se diffuser dans tout votre corps. Qui va progressivement se diffuser dans tout votre corps.
et de vous donner force et sérénité. Cette petite boule de lumière qui va vous donner force et sérénité. Apportez votre attention au niveau de votre poitrine, de vos pectoraux. Essayez de sentir, même en étant allongé, sans bouger, juste sentir que naturellement, les pectoraux, la poitrine ressortent un petit peu, prennent une posture confiante, forte, stable, qui nous permet de naturellement développer notre confiance en nous, qui nous permet de naturellement développer notre confiance en nous. Et je vais maintenant venir énoncer différentes phrases, les unes après les autres. Et je laisserai un moment entre chaque phrase pour que vous puissiez les répéter mentalement, comme le Sankalpa du début de pratique. Ces phrases vous permettront de développer votre confiance en vous, votre sérénité. Et le fait de les répéter va permettre de créer cet ancrage. On va commencer par la phrase « Je pense positivement ». Répétez-vous plusieurs fois « Je pense positivement ». Je pense positivement. Je pense positivement. Je suis unique. Je suis unique. Je suis unique. Je suis une bonne personne et je mérite le bonheur. Je suis une bonne personne. Et je mérite le bonheur. Ma vie est abondance de confiance. Ma vie est abondance de confiance. Ma vie est abondance de confiance. J'accepte toutes les bénédictions de l'univers. J'accepte toutes les bénédictions de l'univers. Je décide de choisir des pensées qui auront un impact positif sur ma vie. Je décide de choisir des pensées qui auront un impact positif sur ma vie. Je décide de choisir des pensées qui auront un impact positif sur ma vie.
Je suis ouvert à toutes les nouvelles expériences de la vie. Je suis ouvert à toutes les nouvelles expériences de la vie. Je suis libre de penser ce que je souhaite. Je suis libre de penser ce que je souhaite. Je suis libre de penser ce que je souhaite. Je vais réaliser de grandes choses. Je vais réaliser de grandes choses. Je vais réaliser de grandes choses. Je m'aime énormément car je suis une bonne personne. Je m'aime énormément car je suis une bonne personne. Je m'aime énormément car je suis une bonne personne. Et laissez-vous absorber par toutes ces pensées positives qui vous permettent d'accroître votre confiance en vous, qui vous permettent d'aller vers votre plein potentiel. Ressentez de nouveau cette boule jaune lumineuse, chaude, partout dans le corps, avec cette posture fière qui vous permet de développer votre confiance en vous. Avec cette posture fière qui vous permet de développer votre confiance en vous. Et progressivement, progressivement, ressentez de nouveau l'air qui rentre par le nez, l'air qui ressort par le nez. Ressentez de nouveau le contact des vêtements. Peut-être d'une couverture, peut-être le contact de l'air sur la peau. Et à votre rythme, vous pourrez commencer très lentement à ramener des mouvements dans le bout des pieds, dans le bout des mains. Puis vous pourrez ramener les genoux à la poitrine. Et laisser tomber vos genoux
sur le côté gauche ou sur le côté droit. Et très lentement, en pressant avec les mains dans le sol ou en vous relevant lentement, vous pourrez venir vous rasseoir sur le tapis, vous rasseoir sur votre chaise, vous rasseoir dans votre lit et me rejoindre ou vous laisser guider pour trois Om. Inspirez par le nez. Laissez les vibrations agir dans le corps, dans le cerveau. Et très lentement ensuite, vous pourrez venir réouvrir les yeux.